Yo, salut à tous, c'est Yoda et je suis en compagnie de Lady. Hey, salut tout le monde. Alors, premier petit tuto sur Destiny, c'est ça Yoda? C'est ça, on va vous montrer comment avoir un maximum d'engrammes en un minimum de temps, donc farmer beaucoup beaucoup d'engrammes. Donc on sait que cette technique va pas plaire à ceux qui sont vraiment à fond dans le jeu, mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps et qui veulent essayer de monter un peu plus rapidement, ça va vous aider. Voilà, donc tout simplement, on va vous expliquer, il ne s'agit pas de la mission du Nexus comme beaucoup le pensent, mais d'une autre mission, je vais vous montrer comment la lancer. Donc vous allez sur la Lune et vous lancez la mission qui s'appelle les Ténèbres Extérieures, c'est la toute première mission. Petite particularité, il va falloir la lancer niveau 9, donc en mode héroïque en fait, tout simplement. Voilà, donc pour ceux qui sont peut-être plus petit niveau, vous pouvez la lancer niveau 6, en fait c'est pour ceux qui sont niveau 9 et plus, en fait ils mourront plus rapidement en étant niveau 9. Voilà, donc vous allez faire la mission et vous allez vous arrêter au pied de la porte du temple de Kropta. Et donc là, bah, vous voyez, comme ça se passe sur la vidéo, il y a tous les ennemis qui vont spawner tout simplement devant vous. C'est la folie en fait. Voilà, donc il va falloir tuer. Moi je sais que je me concentre surtout sur les esclaves, donc ceux qui arrivent avec leurs mains un petit peu électriques là, qui essaient de vous gifler. Vous les tuez et en fait, moi je tire simplement sur eux et je me laisse tuer à côté, je me laisse tuer par les capitaines. Et surtout, il faut pas tuer tout le monde, hein. Il faut vraiment laisser des capitaines en vie, sinon en fait la mission va foirer, quand vous allez respawn, et ben les ennemis ne seront plus là. Il faut vraiment tuer que les esclaves, et en gros vous allez faire quoi, une trentaine de kills je crois à peu près, vous pouvez monter à 50 au mieux. Oui voilà, donc le but, comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement de déclencher un maximum d'engrammes. Vous allez avoir évidemment une quantité d'engrammes verts, je pense que même votre inventaire va être rapidement très vite plein. Et bien sûr, le but étant là, vous allez débloquer des engrammes bleus et légendaires, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Donc voilà, on a également une petite astuce bonus à vous donner pour doubler vos lumens. Donc il suffit simplement d'utiliser en fait les petites statuettes de cire noire, donc qui vous permettent d'avoir plus de lumens sur la Lune pendant 10 minutes. Voilà, donc vous allez dans votre inventaire et dans les objets à usage unique, vous allez pouvoir utiliser une idole de cire noire. Et à la fin de la partie, vous pourrez voir que les lumens, pour ma part, ont été doublés jusqu'à 79. Donc toi, je crois que tu as eu jusqu'à 150 lumens une fois. 150 lumens par vague, ouais. Donc même, on va dire, on se base sur un grand minimum de 50 lumens. Ça vous fera gagner jusqu'à 3000 lumens par heure en enchaînant les vagues d'ennemis, tout simplement. Donc c'est quand même une technique assez intéressante. Voilà. On espère que ce petit tuto sur Destiny vous a plu. On va essayer de vous en faire d'autres. C'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de vidéos dessus parce qu'on a vraiment beaucoup joué. On va essayer de vous faire d'autres petits tutos et voilà, et on vous dit à très bientôt. Gros bisous tout le monde, ciao.